Nous revoilà, Yannick Bergeron, créateur des expériences pour le magazine Les Débrouillards, et je suis présentement ici même à Paris, à la Cité des sciences et de l'industrie, pour te présenter des expériences que tu peux faire facilement à la maison. Alors, je te propose de réaliser l'expérience qui s'intitule la baguette magique. Alors, pour réaliser la baguette magique, voici le matériel dont tu auras besoin. Tout d'abord, du liquide vaisselle, du colorant alimentaire, et tu vas remarquer que j'ai apporté mon colorant alimentaire directement du Québec puisque j'ai le vert et que toi, tu n'as pas le vert. Tu dois faire le mélange entre le jaune et le bleu. Ben moi, je l'ai apporté. Et ensuite, tu vas avoir besoin de lait. De lait entier, de lait partiellement écrémé, ça dérange pas. Mais d'avoir un liquide blanc avec une matière grasse, ça, c'est important. Et ensuite, tu vas avoir besoin de petits cure-dents. Et bien entendu, d'une grande assiette pour bien voir ton expérience. Alors, t'es prêt? Voici les manipulations à faire. Tout d'abord, on va transvider du lait dans une grande assiette. Alors, moi, j'ai utilisé environ, je te dirais, 125 ml de lait que je vais déposer dans une assiette comme ceci. Je vais verser le tout comme ça et je vais laisser reposer quelques instants. Ensuite, je vais utiliser du colorant alimentaire que je vais mettre par-dessus mon lait en utilisant toutes les couleurs, donc rouge, jaune, bleu et vert. Je vais commencer avec le rouge. Je vais mettre une goutte en haut, une goutte en bas, une goutte sur le côté, une autre goutte qui est là. Et là, on peut s'apercevoir que le colorant alimentaire disparaît dans le lait entier. C'est normal. On va continuer avec un peu de jaune, comme ça. On en met et on va aller mettre un petit peu de bleu et ensuite le vert, bien entendu. Donc, on continue. On va mettre au milieu. Alors, tu peux remarquer que ça fait des petites gouttes qui se répandent dans mon lait. Et il y a une propriété en science qui est vraiment intéressante, c'est que le gras n'aime pas le savon. Et je vais t'en faire la preuve. En réalité, on dit souvent que le liquide vaisselle chasse le gras, ou chasse, comme les Québécois disent, la graisse. Alors, on va essayer de voir si c'est vrai en utilisant un principe scientifique fort intéressant qui est celui de la tension de surface. La tension de surface, c'est une mystérieuse petite tension qu'il y a à la surface de n'importe quel liquide, surtout de l'eau. Donc, dans le lait, il y a de l'eau. Donc, cette tension de surface-là, on va jouer avec. Pour jouer avec, on va tout simplement prendre un petit peu de savon que j'ai transvidé directement dans un petit contenant et je vais prendre la pointe de mon cure-dent et je vais venir déposer la pointe directement sur une petite goutte comme ceci. Et je vais aller ailleurs pour en faire un peu partout. Et là, je ne sais pas si tu remarques, mais les gouttelettes sont en train de se répandre. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre encore du colorant un peu partout pour bien le voir. Et là, tu vas voir, ce colorant-là, on va le voir encore mieux. Donc, on a du bleu, du vert. On va aller chercher un peu de jaune. On va aller chercher du rouge. Et on va refaire le même processus. On va essayer de voir si on est capable de faire sortir encore plus le colorant. Alors, un peu de savon, un peu de liquide vaisselle et je touche. Wow! Je vais aller toucher ici. Chaque fois que je touche un endroit, on peut voir que il se passe des petites mixelles qui se passent un peu partout. Et là, je peux essayer d'aller chercher mon colorant un peu partout, à l'intérieur. Et voilà. Ça, là, ça commence à avoir un beau résultat. Regarde ça. On voit les colorants alimentaires ressortir, ressurgir directement de mon lait dans le fond. On est en train de détruire la tension de surface. Est-ce qu'on va voir le rouge apparaître un petit peu? On va aller voir ici. Bref, tu peux t'amuser comme ça à toucher partout. Et si tu veux, à l'aide d'un cure-dent sans savon, tu peux tout simplement toucher et faire de belles petites ribambelles à l'intérieur de ton lait et même donner des petits coups pour voir apparaître des petites gouttes de couleur qui sont des mixelles de gras qui apparaissent directement dans ton lait. Une façon simple de faire des expériences super intéressantes. Alors, à ton tour de l'essayer à la maison. Bonne chance! Qu'est-ce qui arrive si on met tout le savon? Wow! Ça, c'est le fun! On vient de détruire la tension de surface! Hey! Bonne chance!